Ils ont 4 gosses, j'ai pas vu. Après, ghost, c'est un simulateur très très fort. J'aurais pu ghost aussi cette game, honnêtement, mais bon. Avant, je jouais ghost sur Vel'Koz. Mais je suis tellement habitué à barrière que je me vois mal retourner vers ghost. C'est dur en vrai. Ça me demanderait tellement d'adaptation. Dans certaines games, je pense que ça pourrait le faire. Des games où j'utilise pas trop la barrière. Mais ouais. Trois potes, Dark Seal, Ghost, Phase Rush. Ça va aller mon grand. Tu vas la retenir cette lane. J'ai envie de l'embêter un petit peu, mais c'est un peu pointless. Hein. What? Mais... Le mec en face n'est même pas low, genre. Bon, bah 2 pour 0, les mecs en face sont full life. C'est qu'elle a flash hein. Et qu'on sait qu'il est là quoi. On a perdu en 5 minutes, let's go. La botlane se fait 2v2 level 1. Il meurt du gank de Viego alors qu'on le voit passer que je spamping. Ils argue et le Maokai a gank top et ils se sont fait 2v1 par Vayne, elle a un double buff. La game est perdue. À 5 minutes. On se fait outscale. Kalista est behind. Elle aura 100 fois moins d'utilité que la hache et on a un tank en jungle, ils ont Viego, Vayne au top. On a lose, no troll. 5 minutes. Même pas, 4 minutes. Et je suis avec Vel'Koz au mid. J'encaisse un gank, je prends les deux ghosts. Toute l'info sur le jungle en face. Mais non. Mais non, ça suffit pas. C'est tellement cringe. Je sais pas pourquoi il freeze, hein, je vois son jungle. Une minute trente le flash, hein, faut quand même faire gaffe à ça.
Je prends un mana pour R, sinon il pouvait mourir là. Ah, j'ai... Zéro backup. Et jamais il va venir, il a 100 HP. Permis à la botlane de se remettre dans la game. Le seul truc que j'ai à faire, c'est flipper un truc là-bas. Si elle meurt pas avant que j'arrive. Allez, plante. Il est mort. Oh. Genders are more easily discerned by the pitch of their cries. J'ai envie de tenter genre full AP, pas d'item défensif pour one shot et faire des trucs comme ça. Sinon je pense que la game est loose donc... De toute façon si on a perdu cette game, c'est juste les 4 premières minutes de jeu. On est un petit peu revenu à droite à gauche mais honnêtement... Le Viego avec le follow-up de Ghost et Karim. Vladimir et Brom qui met des stuns et CC2H et je pense qu'on a perdu, il est trop fed, tous bien et on se fait outscale quoi. Peut-être qu'ils vont faire des erreurs qui vont nous permettre de faire un truc mais j'y crois pas.
Ils sont sur le Drake, là. Oh, il a Divine, Lotra, Harvester. J'ai mythique bientôt. Je sais pas, je peux peut-être jouer Luden, Shadow Flame, Bot Penny, Meja et Rabadon. Et faire un truc dans la game. Mais je vois pas. Reste à ta place, toi. En 1v1, t'es ma pute. Ils ont pas de tourelle, hein. C'est que le Vlad est tellement fait qu'il y a personne qui peut side contre lui, en fait. Sur une long lane avec un ghost et son phase rush, il va juste run dans la bot lane. Elle peut flip une arrow au mid. Non, je pense. Ouais, ils sont partis au top. Est-ce trop fort Ghost en vrai? Dans le match-up. Il peut trop space et je peux rien faire, genre là en gros il a Ghost et moi je peux même pas follow avec le R. Et je suis même pas le follow-up. Je vais pas dire qu'il joue bien, il pull le vent on CD. Mais bon, bien joué. Il y avait la bot lane. On perd un 3v4 là. Et encore, est-ce qu'on perd? Big. On perd pas. Ok, il est mort, mais on perd pas. Fiora est fed, hein. Mais Vladimir est fait aussi. Ouais, c'est un match-up que je peux juste pas gagner, en fait. Alors, je vais le dominer, tu vois. Et bah là, il prend un kill sur le Viego. Là, il prend le kill sur avec la botlane. En fait, le truc, c'est que même si je le tue genre une fois, tu vois, juste le Vlad s'efforce de farm un minimum correctement et c'est fini. Genre il va en side et je peux pas y aller en side. Genre je peux pas aller contre Vladimir. Sur une courte lane ça va encore. Sur une longue lane, il ghost et je suis mort. Stress.
Elle va maro. Mais bien là, rien de ça. Odd creatures, blood, flesh. Essaye d'aider là, Fiora, et au final, je me fais juste one tap. Il a ghost. De toute façon, je ne vais faire aucun défensif et je vais juste me faire one tap on CD. Juste s'il m'oublie, je vais one shot elle et peut-être le Vlad, mais bon, il a une poule. Donc moi, c'est juste les deux ADC derrière. Et mais de toute façon, le Viego et le... Et le Vlad, c'est, je peux rien leur faire et c'est pas moi qui vais leur faire des trucs dans la game. Dommage qu'elle se soit pas reculée, elle aurait peut-être pu s'en sortir. J'imagine que le Maokai n'a pas envie de jouer. Il a pas de ghost, rien. Juste, il le laisse nous tuer. Et littéralement, le Maokai il a juste laissé le Vlad nous tuer tous les deux là. Il a 4-0. Il joue bien le Vlad, hein. Il joue bien. Je pense pas que ça soit le meilleur Vlad que j'ai rencontré, honnêtement, mais il fait une bonne game. Hein. Il est pas mort, il a 180 CS. Il joue pas particulièrement, juste il fait pas d'erreur et c'est ce que tu dois faire sur Vlad. Hein. En vrai, Vlad, tu fais 1-0-1 ou 0-0-0 à 20 minutes, juste à 10 CS minutes. Le perso, tu as déjà gagné. Hein. Après, bon, il va peut-être pas gagner la game, il y a pas que lui dans sa team, mais. Mais ouais. Pas fou ça. Parce que si elle perd le buff Nash, ça nous met juste dans la merde parce qu'elle pourra pas sideline. Juste barre-toi, bro, s'il te plaît. Pourquoi ? C'est dommage qu'elle fasse ça à la Fiora parce qu'on a besoin de son buff Nash pour qu'elle side en fait. Notre perso le plus fort dans la game. Mais bon, c'est fine.
Je vais attendre 45, 6. Pas m'endetter. Hop. J'ai quand même spike deux items level 13 là. Donc j'ai mes deux spells rang 5, deux items. C'est un peu late, mais c'est pas mal. Il a Rabadon. Hein. De l'ignite. Il a flash, hein, by the way. Il a flaqué ses deux sims sur ça. Très bonne ulti. Panata. Maokai, très bonne ulti de Maokai. Il a clairement troll là. C'est sa première grosse erreur de la game. On a Nashor, donc on peut accélérer. Y'a pas de Nashor, je sais même pas si c'est très worth de prendre l'inhib en vrai. Ah, être groupé, on est plus fort qu'eux avec Renata. Qui est mort dans le fight chez nous très tôt là qui a donné un reset et tout parce que le fight était win hein. C'est Renata qui est morte. Sale pute. Stopwatch, bah elle est peut-être pas en vrai. On pouvait finir en essayant de jouer correctement. Après j'ai pas fait une game parfaite donc je veux pas flame non plus mais. J'ai rien acheté sur le move. Mec, je partage beaucoup avec level 15. Alors je ping level 14 et level 15. Un très bon fight. Renata aussi en vrai. Du red buff. Ok. Human melting point remains
Respect à Fiora. Out. Pas fou. On a perdu, je pense. On a perdu, je pense. Je sais pas ce qu'ils font dans ma team. Le niveau de jeu de mon équipe, c'est vraiment abyssal en teamfight. Vraiment. On a l'ulti de Renata. Stop inting and let them commit.
Il est peut-être mort. Il a pas pris le Q ça. Il meurt. C'est huge. On a fait. On peut gagner au mid. Hein. Alors après, fallait tuer Vlad en vrai pour ça, je pense. Il est low le Viego, je vais aller le chercher. J'ai vraiment bien joué ce fight. J'ai solo kill le Viego, genre. Après il a pris les Pikmin de Maokai mais... content d'avoir fait Rabadon, enfin Mejai pardon. On a gagné cette game, c'est vraiment huge. Hein. Parce qu'à 5 minutes, la game est finito. Hein. On s'en fout du bon bro. Je sais pas pourquoi elle le tape. Nice. Un bon mid game quoi. Je pense que ça aurait pu être plus facile de gagner en teamfight s'ils avaient joué correctement, mais genre on a failli l'acheter quoi. Xaïdre, merci pour les 22 Fautor, les 1 an. Ryukla, merci pour les 9 mois. Krustichat OTP, les 16 mois. Revability, les 23. Febours OP. Je sais pas. Merci pour les 7 mois. Lulu Pacru, les 8 mois. Valiaris, les 25. J'avais dit le reste. Et est-ce que j'ai regardé l'event smash qu'il y a eu sur la chaîne d'étoiles? Non, j'ai vraiment du mal avec Smash. Ça m'intéresse pas trop, en gros. Autant des jeux auxquels je joue pas du tout, l'e-sport, ça me fait envie des fois, genre du CSGO, ça me gêne pas de regarder du CSGO, du Valorant, des trucs comme ça. Mais pour le coup, Smash...